pédagogique dans la mesure où je suppose que vous n'allez rien apprendre et que, de nouveau, et que c'est une reprise de ce que vous savez, ce que au moins les chercheurs connaissent, mais les étudiants ne connaissent pas peut-être ou peu encore. Alors donc, je voudrais commencer par dire que la communication scientifique évolue bien entendu d'un modèle.